Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Écoutez, on fait la suite du 100 Baby Challenge. Et à la base, j'avais voulu appeler le vampire David, mais il peut pas venir parce que quand je l'appelle la nuit, il veut pas, puisqu'il dort à 2h du matin, voilà. Et quand je l'appelle le matin, il me dit qu'il peut pas parce que c'est la journée, voilà, donc c'est super. Je pense qu'il faut que je l'appelle genre le soir après, je pense vers 20h, 21h pour le faire venir. Mais du coup, je me suis rabattue sur le copain, parce qu'il me semble qu'ils sont confirmés moi, le copain de Brent, donc le papa de ses enfants actuels, des jumeaux, son copain quoi, le copain du papa quoi. Donc c'est très bizarre dit comme ça, mais voilà, parce qu'il faut qu'on avance, il faut qu'elle retombe enceinte. On va essayer de, voilà, de... Non. Laisse cette assiette, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. est-ce qu'on a commencé à avoir un minimum d'amour? On va voir ça. On va voir ça. Non, laisse ça, t'inquiète pas. D'ailleurs, j'ai mis où la poubelle, elle est là. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers épisodes, eh ben, on a agrandi la maison. Bon, c'est un peu vide, voilà, les murs sont pas, ont pas encore de tapisserie. Il y a pas mal de choses encore à faire. Ça va, encore 3000 simflouzes. C'est pas mal, bah écoutez, va falloir... commencer à essayer de le draguer quoi. On va essayer d'offrir une rose. Ça marche souvent, je sais pas pourquoi, mais offrir une rose, ça marche vraiment souvent. Voilà, ce que je disais, ça marche souvent. Ça marche bien. Ah, il est enjôleur. On va en profiter. On va essayer de l'enlacer maintenant. Yeah. Bah ça commence très très bien. Promets de dédier un morceau. Attends, il y avait un truc ça. Premier baiser. Allez, c'est parti. Oh franchement, ça, si ça marche, ça a été très rapide. Non, si ça a l'air de marcher. Ça a marché. Oh là là, c'était mais genre tellement rapide. Est-ce que vous pouvez déjà faire crac crac? Pas encore. Mais ça va venir, ça va venir. Là, c'est qui, ça appelle, il y a le facteur, il y a tout qui se passe en même temps. Eh bah dis donc. Ah, essayez de faire un bébé. Désolée, j'ai dû faire une vraie coupure en vrai, parce qu'il y a le facteur qui est passé. Dans la vraie vie aussi. Bon. Ah, attendez, parce que oui, je devais vérifier le nombre de points. On a 4000 points et en fait, on peut prendre quelque chose pour, voilà, fertile. Les Sims fertiles ont plus facilement des enfants et ont plus de chances d'avoir des jumeaux, des triplés. Et on a assez de points, donc ça on n'a pas le droit de prendre la potion. Tout ce qui est potion, on peut pas. Et tout ce qui est trait comme ça, on peut. Donc ça c'est fait. Voilà, donc on aura plus de chances d'avoir... Alors, allez faire des bébés. Allez, bébé. Oui, crac. En plus c'est bien, les enfants sont pas là, heureusement, parce qu'ils s'imaginaient seulement à un moment donné qu'est-ce que la maman elle fait. C'est beau l'amour. Non, on va faire directement un test de grossesse. Normalement, ça devrait être bon, elle est fertile. Je dois vraiment y aller, c'était très sympa. Bah, tu m'étonnes. Yes! Bon, j'ai pour deux, ou peut-être pour trois, voire pour quatre. Imaginez, elle a des triplés, je vais être en galère. Mais ça va, les enfants sont enfants. Du coup, ça sera, je pense, faisable. Et voilà, t'es papa. Est-ce qu'on peut lui annoncer qu'il est papa, le pauvre? Il va falloir que tu enchaînes les bébés là. J'aimerais bien que les enfants ils aient un A à l'école pour qu'on puisse les faire grandir en ado. Donc puisque dans le 100 Baby Challenge, pour faire grandir des enfants en ado et des ados en adultes, il faut qu'ils aient des A à l'école. Chose qui est pas super compliquée non plus à faire. Il faut juste prendre le temps et puis c'est bon. Non, c'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Un A, ok. Et un A, super, ils ont des A, on va pouvoir les faire grandir et continuer les études hein, pour qu'ils aient un A aussi en tant qu'adolescents. Bah écoute, tu vas faire un gâteau pour les faire grandir. La dernière fois, on a fait un gâteau au chocolat. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? Gâteau zombie, tiens. Bah tiens, c'est cool ça. J'ai jamais fait de gâteau zombie en plus. Ça va me permettre de le faire. Alors, mettre des bougies d'anniversaire. Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être faire grandir elle en premier. Célébrer quoi? Bah, souffler des bougies, non? Elle a pas soufflé les bougies. Pourquoi il y a marqué Angela passe par une phase? Elle ne loupe pas une occasion de prendre un instrument, de hurler et de mettre le son à fond. Ouais, c'est pas ça que je voulais. Je voulais que tu souffles les bougies. Yeah! Angela a vieilli. Ah mince, oui, il y a le délire avec ça. J'avais noté ce qu'il fallait... Ah! Alors attendez, je vais couper le temps de trouver c'était quoi déjà qu'il fallait que je mette. Attendez, j'arrive tout de suite.
Et me revoilà, donc du coup j'ai généré les traits sur le site et ça me donne best singing auteur, donc aime la musique, voilà. Donc pourquoi pas. On met ok, voilà. Donc nous avons la première adolescente, donc Angela. Donc Angela va laisser place à son frère. Est-ce qu'elle peut mettre les bougies, Angela? Oui, ajouter les bougies d'anniversaire. La tête qui fait. Et... oh lolo. Du coup, l'aspiration d'adulte, hein, c'est ça qu'on met famille de vampires. Non, on va pas mettre famille de vampires. Bon, si, on va mettre famille de vampires. Hein. C'est des bêtises, ils sont devenus des adolescents, pas des adultes. Hein, ça, c'est pas la même chose. Bref, je parle beaucoup, mais du coup, ça avance pas beaucoup. Ouais, mais vous... Alors, attendez, parce que là, ils sont... Bon, ils peuvent toujours dormir dans leur lit d'enfant, mais il va falloir qu'on change ça bientôt. Alors, est-ce qu'il est fatigué? Non, ça va. Parfois, je suis tellement en colère que je ne sais pas quoi faire de moi. Comment je pourrais gérer des choses si je n'arrive même pas à... Alors, attends, fais du sport, parle-en à quelqu'un. Parle-en à quelqu'un, je pense. Bah, écoutez, manger du gâteau, hein. Prendre un morceau, prendre une douche. Et elle, on va lui demander d'aller dormir. Quant à toi... Bah, toi aussi, hein, prends un morceau de gâteau. Enfin, je sais pas... mangez votre gâteau d'anniversaire, hein. Ça donne envie de manger là avec la petite cervelle. Blablabla. Imagine en plus c'est fait comme de la gélatine. Ben, écoutez, elle, on va lui demander de faire le tour du patelin pour aller chercher les petits cailloux. Est-ce qu'ils peuvent en tant qu'adolescents aller dans les trous maintenant? Oui. Oui. Creuser, creuser, creuser. De toute façon. Ah mais attendez. Attendez, attendez. À l'école. Ils ont un B de moyenne, il va falloir qu'ils fassent leurs devoirs aussi. Puisqu'après, il faut qu'ils aillent se coucher encore. Donc, je pense que lui, il va faire ce côté-là. Normalement, il y en a encore derrière. Mais bon, on va éviter de faire ceux de derrière. Parce que... quoique, on va juste prendre ceux-là. Puis après, on va essayer de le faire ses devoirs avant qu'il aille se coucher. Ce serait pas mal. Ah, mais ces chaussures qu'elle a. Mais ce style qu'elle a. Ce style. Elle a un de ses styles. C'est trop marrant. Ou pas, ça dépend pour qui. Mais là, un style de malade. Il va te coucher. Je sais que le lit est pas confortable, mais il va falloir travailler pour vous acheter des lits. Hein. Pour l'instant, on vend tout. Ah oui, la pêche. Oh. Ah ouais, ça a rapporté quand même pas mal d'argent. Et je pense qu'on va les garder un petit peu. Quand ils seront adultes, ils vont faire de la pêche, nous faire gagner de l'argent. Tant qu'on a de la pêche. Parce que là, de toute manière, même si elle a des enfants, elle peut avoir jusqu'à des triplés. Je crois que c'est le grand maximum qu'on peut avoir avec les bébés. Donc autant les garder, ils seront 6 à la maison et encore 2 places. Et après, on pourra seulement les virer. Mais pour l'instant, on va les exploiter un petit peu. On va demander de rentrer à la maison. Rentre. Il est énervé. Il est vénère. J'ai cru avoir vu passer David derrière, mais bon, vu que maintenant elle est enceinte. Hein. Je rêve où c'est un canard. Non, c'est pas un canard. Grenouille, si. Ouais, on peut vendre. On a des grenouilles qui rapportent quand même un peu plus d'argent. Et si je les vends comme ça, ça vaut ni plus cher que de les extraire. Oh, mince, j'ai oublié. Les gars. Oh. 19 minutes, on va mettre ça ici, je sais pas si ça va... ça va, voilà quoi, survivre longtemps, mais... Ouais, elle mange du gâteau, non, c'est pas du gâteau qu'elle mange. Salade, ok. Bon, ensuite, bon, on va peut-être l'envoyer finir l'expédition de ses enfants, et on va l'envoyer ici. Ouais, on va l'envoyer ici, elle va les creuser, hein. Il y a un peu d'argent, là. Pour avoir une vie meilleure. De toute façon, elle peut, hein, c'est bon. Elle peut aller vraiment bien au niveau de ses besoins. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et on va bientôt pouvoir améliorer la maison. Encore, oui, encore. Puisque 5000 simples, pas loin, c'est vraiment pas mal. Bon, est-ce qu'elle peut... Je crois que puisque c'est une semaine, toutes les semaines pour pouvoir mettre le livre en vente, là. Ah, on va payer les factures aussi. On va payer les factures aussi. 36 pouces. Bon, merci, au revoir. On va vendre les citrons. On a vendu les citrons. On a payé les factures. On peut toujours pas déposer un morceau. Mais on peut lui demander de... continuer un morceau, non, elle peut pas. Composer un morceau
sur un air fantaisiste. On aurait dû faire du classique. Oula, mur de notification plein, hein, ça. Hop. Et c'est bon. Non. Arrêtez de tout casser. Ah, ça va être l'heure pour eux d'aller à l'école, par contre. Elle va y aller, elle va voir la dalle. Bon, c'est pas grave, tant pis. Tant pis. Il y a des jours, c'est comme ça. Vraiment, les pauvres. En fait... Ah, quoique, celui-là, il en vaut la peine. Mais je me demande si c'est pas mieux de les vendre directement, les fossiles, sans les extraire. Il y a quand même un petit peu plus d'argent, j'ai l'impression. On va laisser composer. Voilà, laisser composer. On peut se le permettre. On est bien avancé. Elle est bien au niveau des besoins. On n'a pas grand-chose à faire. On a fait le tour du patelin. On a tout ramassé. Au niveau de l'argent, je peux pas faire grand-chose de plus, à part envoyer peut-être les gamins pêcher. Quand ils reviendront. Mais bon, le but aussi, c'est qu'ils aient un à l'école. Parce que plus vite, ils auront un à l'école. Et plus vite, on pourra les faire adultes. Et une fois qu'ils seront adultes, ils seront plus obligés d'aller à l'école. Et s'ils ne vont plus à l'école, ça veut dire qu'ils pourront faire de la pêche toute la journée, quoi. À la fille. Non, mais je suis vraiment ignoble quand je dis ça. J'ai l'impression d'exploiter mes gamins, mais à fond, quoi. À fond la caisse. Je vais à la convention. Non. Bah, écoute, on va lui demander d'arrêter de composer. D'aller aux toilettes. Ah là là. En tout cas, elle est inspirée. Wow. On est combien au niveau du trimestre? On est troisième trimestre dans 24 heures. Ok, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore au troisième trimestre. Ah, il y a quelque chose qui a pourri. Ça doit être le gâteau dégueu, là. Non, elle l'a cassé. Mais écoute, entraîne-toi, hein. Parce que... Hein. Comme ça, au moins, tu pourras... parce que je pense que tôt ou tard, ce serait super intéressant... C'est genre de tout faire réparer pour que tout soit incassable, pour ne perdre moins de temps. Quoique, vous me direz, je pense qu'au bout d'un moment, on aura tellement d'argent que remplacer les choses, ce sera limite plus simple. Et de toute manière, on a le temps, on n'a rien d'autre chose à faire. Donc, on répare. Ça, tu suis. Ça, tu cherches des pièces. Ah, les enfants sont rentrés. Qu'est-ce que ça donne à l'école, les enfants? Toujours un B. Divertissement. Bah, regardez la chaîne, je sais pas, d'humour. On peut aussi regarder ensemble, ouais. Au pire... Ah, je peux pas acheter ça moi-même. Ah si, je peux. Je peux, je peux. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on aura des jumeaux? Des triplés, peut-être? Moi, j'aurais bien parié sur des triplés, là. On est fertile, on est sur un terrain fertile. Ça fait bah, deux choses de plus qui font qu'on peut avoir... Oh, excusez-moi. Qu'on peut avoir des jumeaux, des triplés. Bah, des jumeaux, je pense, minimum, à coup sûr. Bah, regarde la télé en même temps. Je peux manger, regarder la télé. Ah, le ventre se fait... Oh, on voit le ventre. On voit le ventre. Bon. Elle a la faim aussi. Donc, mange des restes et va dormir. Et on va s'occuper des ados maintenant. Eh, ça va, hop. Prendre une douche. Prendre des restes et tu vas aller dormir. Ouais, toi, va dormir aussi. Voilà, tout le monde a ses petites choses à faire. Oh, les ailes. Oh, ça me saoule, les trucs comme ça, là. Les CC qui apparaissent dans la douche, là. Je surveille qu'ils fassent leur devoir dès qu'ils se réveillent. Faut qu'ils se remettent bien. Ah, qu'est-ce qui va pas? Ah oui, toilette. Ah bah oui, hein, c'est ça, hein, quand on est enceinte, hein. On est tout le temps aux toilettes, hein. Va falloir que je fasse une liste des hommes avec lesquels elle tombe enceinte, parce qu'au bout d'un moment, j'ai pu me remettre... j'ai tout zappé. Je vais retomber enceinte du même bus et ça va pas le faire. Et là, ce serait bien ensuite de faire les... Ouah, quoique les projets, hein, vu leur qu'il est, ils n'auront pas le temps de les finir pour l'école. Donc on les fera plutôt quand ils reviendront de l'école. Avec un peu de chance, ils auront quand même un H en faisant leurs devoirs. Peut-être éventuellement si elle peut faire des devoirs supplémentaires. Ouais, hop, faire des devoirs supplémentaires à la limite. Ensuite, tu pourras aller manger. J'avoue, il s'est endormi devant le film.
Bah dis donc, pourtant il est pas fatigué. Pourquoi ils font les devoirs sur les lits des bambins, je comprends pas. Ça doit être confortable, je pense. Il aura pas le temps de faire les devoirs supplémentaires. Hop. Son conseil sur comment faire crac crac avec sa sœur lol devant sa mère, c'est très bizarre. Posez une question sur l'intrigue du film. Ouais mais elle l'a pas vu hein, le film. On peut essayer mais elle l'a pas vu. Je crois aux vampires. De toute façon ils avaient besoin de discuter donc on va les faire discuter un petit peu. Félicité. Félicité de quoi? D'avoir fait les devoirs. Viens vite aux toilettes. Va vite, cours. Ok, ils partent à l'école. Elle a besoin de discuter avec des gens. On peut pas appeler le vampire là, puisque oui, il va cramer au soleil. Ah, attends. Bonjour. Non, on peut pas lui parler, ok. Bon. Oui, bien. Est-ce qu'il y a un homme dans les parages? Bon, toi, t'es déjà le père des jumeaux, hein. Faut qu'on trouve un homme dans les parages, puisqu'elle a envie de discuter. Bon, je l'ai envoyé creuser, on sait jamais, en chemin, un peu rencontrer l'homme de sa vie ou pas, hein. Bonjour. D'accord, c'est un homme. En fait, c'est des gens bizarres et des gens avec qui je peux pas parler, je sais pas pourquoi. Bon, tant pis, hein, tu vas faire le tour. Eh ben, tant pis pour toi. Il n'y a pas d'hommes ici. Mais il n'y a que des femmes, c'est un quartier de femmes. Comment voulez-vous qu'on fasse des bébés? Ouf. Bonjour, vous. On va lui laisser le temps de faire le tour des cailloux. Ah, le dernier contrôle de mathématiques d'Angela était loin. D'Angela était loin d'être son meilleur. Elle a obtenu une note médiocre qui pourrait vraiment faire baisser sa moyenne. Doit-elle demander à faire du travail supplémentaire pour améliorer sa note ou juste tenter d'avoir une note parfaite la prochaine fois? Bon, on va tenter d'améliorer sa note. Le professeur décide de donner une bonne leçon à Angela. N'est-ce pas fantastique quand les professeurs font cela? Angela apprend que si elle veut une meilleure note, elle ferait mieux de réviser davantage les départs au lieu de venir pleurnicher après coup. Franchement, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool, là, les profs, de faire ça, hein. Vraiment. Ça devrait être interdit. Tu vois, les jeunes, ils sont motivés, ils veulent essayer d'avoir une meilleure note, et bam. Et bah non. T'auras pas de meilleure note, tu auras une pire note, voilà. C'est vraiment pas cool, hein. C'est vraiment pas cool. Oh, elle a arrêté de creuser. Ça me saoule, ça me saoule. Quand ils font ça. Tu leur donnes des tâches à faire et ils arrêtent en plein milieu, quoi. C'est vraiment pas cool, hein. Bon, elle va se faire pipi dessus, en vrai. Elle va vraiment se faire pipi dessus. Bon, laisse tomber tout ça. Et va à pipi room, tout de suite. Va au pipi room. Les enfants sont rentrés. Ah là là! C'est catastrophe! Pipi room, prendre des restes. Voilà, qu'est-ce que vous faites les jeunes? Qu'est-ce que vous faites? Bon, on va laisser regarder la télé, ils ont besoin de divertissement aussi. Regardez un film. Tiens, regardez Massacre au clair de lune. Elle s'est fait pipi dessus, je crois. Je crois qu'elle s'est fait pipi dessus, ouais. Ah là là. Ah, ça va pas, les enfants, ça va pas, y'a rien qui va. Elle va discuter avec ta sœur. Se disputer à propos du travail. Lier une amitié exceptionnelle. Demander conseil. Féliciter, tout ce que tu veux, hein. Y a pas de soucis. Non, on va peut-être pas accuser, répondre d'une rumeur méchante non plus. Faire l'idiot. Côté descente d'intérêt, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas entre eux là. Ah, c'est le bordel, hein, c'est vraiment le bordel là. Allez là, il y a une amitié exceptionnelle. C'est déjà mieux.
Alors, toilette, bain, bouffe, dodo. Et toi, t'as besoin de divertissement? Bah, regarder un film. Voilà, peu importe. Ça, on éteint. Et au niveau de l'école, eh ben, ils ont toujours un B. Et toi, je crois qu'elle a fait du travail supplémentaire et elle a toujours un B. Ok. Va falloir faire le projet scolaire, je pense. Je pense qu'il va falloir s'attaquer au projet scolaire. Il y a un truc qui pue, là. Une assiette, ouais. Voilà. C'est mieux. Elle s'est cachée. Tu peux parler un peu avec ton fils? Ça te fera du bien. Opposé de toucher le bébé. À dire, ben non, je veux pas toucher le bébé. Oh, c'est mignon. C'est la relève, c'est la relève. Ça va aller, parce qu'il est triste. Parler de... Non, tu vas pas... Non, tu vas pas parler de ça avec ton fils, quand même. C'est enseigné sur la vie amoureuse, ouais. Le truc qui est bien gênant, c'est quand t'as un de tes parents qui essaie de se renseigner. Alors, les amours, ça va? C'est très gênant quand les parents s'intéressent. Bon, après, ça dépend, hein. Certaines familles, c'est normal. Oh, j'ai mon toutou qui fait des bêtises, là. Next, tu te calmes. Je reviens. J'ai l'impression que cet épisode-là, je l'aurais coupé 46 fois. Hein. Je ne sais plus à combien d'enregistrements que je suis, mais... Voilà, c'est chien qui sait ouvrir les portes, maintenant, oui. C'est Super Dog, Super Nex. Il ouvre les portes. Alors, on va essayer de discuter. T'as fini, toi, tes devoirs? Bah, discute pas, finis tes devoirs avant, lol. Je rêve ou elle vient de manger, elle reprend de la bouffe. Bon, je sais qu'il faut bouffer pour deux, mais quand même. Je comprends pas, il y a le lavabo ici, et ils vont dans la salle de bain pour nettoyer la vaisselle, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ils sont partis à l'école. J'espère, on est jeudi, j'espère que j'arriverai enfin à faire ce projet scolaire, j'y arrive pas. C'est compliqué. On a Simi Simflouz, je pense qu'on va commencer à acheter bientôt voilà, pour... Ouais, quoique, on peut laisser des lits d'enfants. On avait dit qu'il faudrait qu'on mette des lits pour adultes, enfants adultes, quoi. Parce que adolescents et adultes, ils peuvent dormir dans le même lit. Les enfants peuvent aussi dormir dans des lits d'adultes. Et ce sera mieux pour eux, puisque les lits d'adultes, comparés aux lits d'enfants, ont quand même plus de... Enfin, comment dire, de confort, en fait. Il va falloir que je remplace ces lits pour des bons gros lits, quoi. Histoire qu'ils dorment bien plus rapidement. Alors que j'augmente parce que mon asset missing plus c'est pas rien, mais moi j'aime bien économiser beaucoup d'argent pour faire beaucoup de choses en même temps en construction et pas acheter à chaque fois une chose par une chose. Oui, bien sûr, bois de l'eau, comme ça t'auras encore plus vite envie d'aller au pipi room. Oh, t'es en train, elle boit et elle est aux toilettes en même temps, tu sais. On va peut-être pas l'envoyer à l'autre bout. On va déjà lui demander de faire ce côté. Ses besoins descendent quand même pas mal vite pour une femme enceinte, c'est normal. Le travail a commencé. On dirait de faire connaissance de son petit bout de chou. Ok, stop. Le travail a commencé. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour l'épisode parce que si je commence l'accouchement, je sais pas, je dois faire au moins... Je dois être à une heure de tournage là, c'est ouf. Je pense que ça va être l'épisode le plus long. Et bah écoutez, vous allez découvrir dans le prochain épisode quel bébé aura Angel. Est-ce qu'elle aura un bébé, deux bébés? Est-ce qu'elle aura des jumeaux, des triplés, des petits garçons, des petites filles, un garçon, une fille, on sait pas. Ou peut-être les deux, hein, on sait pas. Et bah écoutez, je vous laisse marquer dans les commentaires d'après vous ce que nous on aura comme bébé à supporter, j'ai envie de dire, voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse, j'espère que l'épisode vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.